Dernièrement, vous avez une vraie prouesse. C'est la première fois qu'on fait rouler, en France, un autocar hydrogène. Cet autocar était un autocar classique, diesel, et on a pris la décision de le changer pour le basculer en hydrogène, c'est-à-dire zéro pollution. À l'arrivée, le pot d'échappement, absolument aucune pollution, pas de CO2, et en plus, pas de bruit. Cette performance, et moi, c'est aussi ce qui me fait très plaisir, c'est qu'elle est faite 100% avec des entreprises françaises et de notre région. Les batteries électriques, c'est très bien, mais c'est fabriqué en Chine, dans des conditions de pollution qui sont catastrophiques. Là, c'est les nôtres. C'est nos emplois, c'est nos entreprises. Une entreprise qui est située en Auvergne, qui a travaillé avec des cars qui sont des cars ardéchois, en lien avec Symbio, qui fabrique les piles hydrogène, et de l'hydrogène vert, c'est-à-dire qui est fabriqué avec l'électricité qui tombe de nos barrages hydroélectriques. Donc on est assez fiers. L'objectif, c'est qu'on en fasse la première flotte de cars hydrogène de France. Il va rouler pendant 15 000 km, il sera homologué à la fin de l'année prochaine, et les choses sont lancées. C'est une fierté pour notre région, et je trouve que c'est une fierté pour notre pays. Ça montre qu'on peut y arriver, et qu'on peut le faire en fabriquant chez nous.